Bon, alors où on en est? Épisode 40. Oh putain! Bon, bah, fallait bien que mes compatriotes s'illustrent un petit peu. Ouais, nous aussi on a des mecs des vrais. Bonjour à tous, je suis le zombie, bienvenue dans votre dose hebdomadaire de débilité humaine. Aujourd'hui, je vous ramène au 2 avril 2013 à Metz, en France. Paul Lamadi, 57 ans, a succombé à ses blessures au CHU de Metz. Quelque temps auparavant, sur le coup des 17h30, deux automobilistes quittent Metz, direction l'autoroute A4 pour Strasbourg. Sur la voie rapide, limitée à 110 km/h, les conducteurs se crispent. Ils se cherchent du regard. La tension monte. Le premier freine. Sa C5 s'immobilise en plein milieu de la voie rapide. Le deuxième s'immobilise aussi. Lamadzi quitte sa voiture pour une explication d'homme à homme. Mais à peine dehors, il se fit faucher par une troisième voiture, le propulsant directement sur le terre-plein central à une dizaine de mètres de là. Cet habitant de Varxberg décéda quelques heures plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de débilité humaine. Avant de nous quitter, je voulais vous faire ce petit message en audio. On est déjà à l'épisode 40 et je le dis de temps à autre, mais regarder ça peut être un petit peu difficile moralement. Alors je vous rassure, il n'y a rien d'honteux à ça, hein. Si ça vous arrive, vous pouvez parfaitement prendre quelques jours le temps de respirer un petit peu avant de vous remettre à la série. Allez, ciao!